Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. Donc, nouvelle mise à jour sur Robocraft, il y a enfin un mode non ranked qui est sorti, donc l'équivalent du Battle Arena de base, hein, sans le côté ranked, donc sans le côté compétitif. Mais en bon français que nous sommes, hein, dès que nous râlons parce que nous avons un truc qui nous emmerde, eh ben nous continuons à rester dessus, donc on va rester dessus, on va rester sur le compétitif et voir jusqu'où on peut monter sans trop avoir de soucis en solo queue, hein, on peut donner ce terme aussi à Robocraft, donc on verra bien ce qui va se passer si on arrive à trouver une partie. Apparemment les gens n'ont pas envie de jouer en compétitif, hein, c'est incroyable, hein, ils veulent pas utiliser de kikimetteur. Forte chance d'objets les plus rares et 8 EMP d'objets. Emplacement d'objets, waouh. On est tous d'accord, hein. J'ai vu ça déjà une fois en live. Moi j'ai dit que là où j'avais le plus de choses légendaires qui tombaient, c'était dans les argents. Et j'ai rarement des argents. J'ai souvent des bronzes quand on perd. Peut-être non, même. Non, finalement j'ai souvent des argents quand on perd parce que je suis souvent le meilleur de la partie parce que voilà, je suis un beau gosse. Mais sinon, ouais, en termes de protonium, on n'a pas tombé des masses de légendaires dans les protoniums. Ça c'est assez incroyable. Pourtant, apparemment, caisse de récupération, plus forte chance d'objets les plus rares. Je suis pas convaincu. Mais si on trouve pas de game, on va partir en normal, hein, y a pas de souci, hein. Ça peut se régler. Allez, à 2 minutes 10, c'est-à-dire dans 20 secondes, chers amis, on va y aller. On va se bouger le fion. 2 minutes 10, ça faisait plutôt 30 secondes, effectivement. J'aurais pu dire 2 minutes, tout simplement. Blah, je tape dans le micro. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, sinon, ça va bien. Bon, on tombe rien à 2 minutes, c'est pas grave. Hop. Donc je reprends ce robot là, je voulais pas vous le montrer exprès. Ah mais de toute façon ça vous le montrer quand même, donc est-ce que ne serait-ce qu'il... Est-ce qu'il y a peut-être des joueurs quand même qui jouent au jeu? Oui, il y a des gens qui jouent au jeu, incroyable. Bon, jusque là ça n'a pas beaucoup évolué, on est en fin de mois, il y en a qui n'ont pas donc touché au jeu depuis qu'ils ont passé les 15 000. Donc je vais augmenter les restrictions, chers amis, parce que si c'est juste pour être dans la vidéo et pas faire... Enfin, et pas faire avancer le clan... On va réduire le... On va augmenter petit à petit l'échelle. Hein. Tant pis. On verra bien. C'est dommage. C'est dommage que vous soyez aussi... comment dire... attiré par le fait d'être banni en vidéo. C'est un peu étrange. Donc voilà, j'ai rajouté ce que vous appelez le tilt. Donc normalement, je m'envole en faisant ça. Je suis pas méga convaincu. Par le fonctionnement de ce principe. Quoi? Ah! Ils sont deux. Je m'en vais. Je les ai bloqués. Mais on n'a pas... Sinon, vous allez sur le point ou... Genre là, ça aurait été cool. Jouer les objectifs, tout ça. Moi, je suis un DPS, donc... permet des choses, mais... Oh. Ah. J'ai pris cher. Allez, l'écran, allez, la caméra, voilà, c'est bien. Hack. Je vais avoir des problèmes de souris depuis le bled du commande Razer, la récente. Hop. Genre 2-3 problèmes de souris, j'en ai déjà eu sur Overwatch, c'était assez casse-couille, donc j'ai dû jouer Reinhardt pendant une heure, parce que ça voulait pas se corriger, puis du jour au lendemain, enfin d'une seconde à l'autre, ça a bien voulu, du coup j'ai pu rejouer d'autres personnages, c'est bizarre. Enfin bon, en ce moment il y a plein de choses bizarres. Hein. Par exemple, mon Elite Dangerous qui veut plus se lancer pour une raison complètement inconnue. Poupi, 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 pou. Oh non, il va me voir comme ça, sérieusement? Non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, désolé.
Désolé, ah, faut que je descende, voilà. Ah, là, c'était un peu plus... Oui, il est encore un tout petit peu... Un tout petit peu pas content d'être là, si je puis dire, hein. Pas content, pas content, pas content, pas content. Je garde le premier point, moi, comme ça. On va rigoler. Voilà, par exemple, là, vous voyez, il y a quelqu'un. Voilà, il n'y a plus personne. Ah, il n'y a plus rien en face. J'ai plus rien. J'ai plus d'armes. J'avais pas fait gaffe. Mais non, il n'est pas under attack. D'accord, c'est nouveau ça. Oh bla. Non, 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 non. Je m'en vais. Je m'en vais. Ah, je peux plus annuler mon... Oh merde. Oh la vache. Alors je suis désolé en fait, c'est-à-dire que j'ai les deux boutons sur ma truc et j'ai appuyé sur les deux. Du coup, je crois que je suis constamment invisible. Merci. Crac. Je m'en vais. Pa, 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 pa. Je m'en vais. Bla. Ah bah, t'as du bol, je suis coincé. Au revoir. Bye bye. Je m'en vais. Je recapture le point. Bah par là. Je m'en vais. Ils sont trop nombreux. Je préfère m'en aller. Hop, t'aurais pu remonter. Ah, il a l'air d'avoir du mal de remonter, à remonter hein, un petit peu, hein, si je puis dire. Ah, ça y est, il remonte. C'est par là qu'on va. C'est par là qu'on va. Ah! Ah! Ah bah, il était temps que ça vienne, le Spotted. Luc Bitrou, est-ce que vous croyez que ça veut dire qu'il a au moins deux trous? Ah, il va y arriver à temps. Dommage. Dommage, 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 dommage. Dommage, dommage. Bon, allez, descend, 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 descend. Je trouve ça limite un petit peu le principe. Avec les copines. Avec les copines. Ah. Oh, quel dommage. Quel dommage, quel dommage, quel dommage, quel dommage, quel dommage. Ah, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils sont nombreux, je m'en vais. Oh, ils ont abandonné. Oh, je crois que j'ai été un petit peu trop con. Ah, j'ai pas le temps d'écrire. J'ai failli troller. C'est dire à quel point je suis dans un état d'esprit qui est complètement détruit, hein, pour le coup. Clairement, là, c'est pas la forme, hein. Même si, en termes de résultats... Ça se passe plutôt bien. Mais là, ils ont rajouté League Bonus. Donc c'est-à-dire qu'en gros, maintenant, t'as un bonus de groupe, si t'es en groupe, et t'as un bonus de League, si t'es en groupe de League. Donc c'est complètement pété. Donc les lives, ça va chier. Hein. Bon, j'ai pas encore le deuxième écran, j'ai le câble HDMI. Mais le deuxième écran est pas top, top, top. Genre pas top du tout. Mais alors vraiment pas du tout en termes de... C'est même pas de qualité, c'est en termes de... Pas d'image, et c'est con pour un écran. Et puis surtout il prend beaucoup de place, et j'ai déjà pas beaucoup de place sur sur le truc. On va partir avec un deuxième robot, chers amis. Est-ce que celui-là était mieux? D'accord, ok. Bah, apparemment il veut que je parte sur celui-ci, donc on va partir sur celui-ci, on va bien voir. Du coup, on n'était pas en MMR parce qu'on n'a pas trouvé de partie. Du coup, on repart dans une partie classique. Mais j'espère que le ranked va survivre à ça parce que malgré tout, malgré en fait la frustration qu'il apportait,
Elle était surtout présente au tout début de chaque rang. Vous voyez, là, par exemple, on a une étoile. C'était limite. Mais au début de chaque rang, la frustration était présente parce que problème, parce que ceux qui avaient réussi pour différentes raisons à grimper, parce que plein de choses. Mais finalement, on peut s'amuser avec des allumettes. On peut aussi s'allumer aussi avec des allumettes, mais ça fait beaucoup plus mal. Mais je sais pas pourquoi je balance ça et je viens de me chier parce que elle est cassée. Dommage. Bon, tant pis. Je m'amuse avec des allumettes en ce moment, c'est rigolo. Surtout en fait que c'est les allumettes que j'utilise pour allumer mon encens. Tu veux bien t'éteindre, merci. Voilà. Enfin, surtout, je m'amuse, vous voyez, regardez, je m'amuse à faire des conneries avec mes allumettes. Je vous dirai pas quoi. Parce que ça, c'est pas l'effet des allumettes. Si vous arrivez à avoir cet effet-là, avec des allumettes, là, ce côté très très lisse, à la place du côté très très rugueux, bah, doit y avoir un problème avec vos allumettes. Non, non, là, moi, je récupère cette partie-là et je refais des allumettes, mais des allumettes maison, c'est. Qui sont en train de sécher d'ailleurs, les nouvelles. Mais bon, c'est particulier. C'est. En fait, vous savez, les allumettes que vous pouvez démarrer n'importe comment, bah voilà, c'est ça. C'est illégal en France, c'est pas bien. N'en faites pas. Vous allez en faire. N'en faites pas, c'est pas bien. C'est trop dangereux, c'est extrêmement dangereux. Faites ça, ou alors faites ça dans une piscine. Moi je fais ça autour d'un lavabo, donc ça va. Je risque d'avoir du mal à allumer une flamme dans l'eau. Encore! D'ailleurs, il faudrait que je me renseigne sur le fait que les. Certaines. Comment que ça s'appelle fusées éclairantes fonctionnent dans l'eau. Je suis curieux. Je suis vraiment curieux. Bon, qui c'est qui est pas dans la partie? NC2 CSLPLE. Ok. NC2. NC2, tu ne rentres pas dans la game. Pourquoi? Bon. Eh ben, faut vraiment qu'on rediscute du matchmaking. C'est un peu nul. Alors, j'ai vu aussi certains d'entre vous, chers amis, continuent à. Oh! Ah non, d'accord, je croyais que justement ils avaient répondu pour Elite Dangerous. Ok. Ah oui, j'avais oublié qu'ils rebondissent les trucs qui courent. Et il court, il se raccroche à la vie, il se saoule avec le bruit. Des gens qui l'entourent, comme des liens de nœuds et de tresses, sans comprendre la détresse des mots. Ah bon? Ah voyez, j'ai encore des problèmes de souris. Viens voir papa. Faut rester les yeux grands ouverts là, chers amis. Faut bien voir où est notre ennemi volant. Ce sera lui notre cible, hein. Faut s'en souvenir, mais apparemment on est en train de les cantonner à leur point. Merde, je crois qu'il est là-bas, mais que je le vois pas. Et sinon, vous comptez pas être offensif du tout? Parfois, de temps en temps, peut-être? Ah, falloir que je me prenne de l'élan quand même. Ok, c'est bon. Disons déjà, apparemment. Qu'est-ce que. Comment tu peux être encore en vie? Voilà, merci. Il y a bien un qui va tenter de venir. Ah, je m'en doutais. Non! Tombe pas dans le trou! Non, tombe pas dans le trou! Tombe pas dans le trou! Voilà, c'est bon. Ok. On a réussi. Aïe! Oh! Oh! Oh la balle de très très loin qui fait aussi très très mal. Ok.
J'ai rien. Oh, dis donc. Oh, puis c'est violent psychologiquement quand tu dois recevoir ça dans le nez. Vous êtes dominé. What? Faudrait que je fasse les voix de Robocraft. Je devrais avoir le droit de faire les voix de Robocraft. Avec autant de vidéos, je devrais avoir le droit de faire des voix sur Robocraft. Bon, et sinon, vous tentez des agressions ou vous restez cantonné? Parce que si j'ai pas le droit de vous voir, c'est pas drôle. Oui, ça va. C'est pas le pire endroit pour... Eh merde. J'allais dire c'est pas le pire endroit pour tomber, mais au moins un chat retombe toujours sur ses patounes. C'est quoi ces bots? Mais les mecs ils sont venus pour perdre ou quoi? C'est débile. Oh oh oh, l'impuissance. L'impuissance d'un Marcus qui ne se sent pas à même d'arriver au bout de ses... Au bout de ses rêves. J'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves. Allez, on y va. Allez. Allez. Oh mais merde! L'impuissance! Je suis impuissant! Mon dieu. Que m'arrive-t-il? T'es même pas un robot. Je crois qu'il était followed par quelque chose. Ah bah. Abandon, encore. Oh. Oh là là. Mais c'est vrai, quand on joue avec des gens comme ça, qui jouent avec des mini-bots comme ça, c'est pas rigolo, je pense. En parlant de mini-bots. Ah, je suis pas premier. Ah oui, puis je suis loin d'être premier en plus. Ouais, mais j'ai pas été méga offensif aussi. Hein. J'ai des mitrailleuses plein à l'avant, mais j'ai pas trop utilisé. Je suis resté en mode snipe. Vu que je m'en sors plus ou moins en mode snipe après tout. Mais on a un robot, j'ai un robot, j'ai envie d'aller en test avec. Je vais juste aller en test avec deux minutes, voir comment il est, parce que je crois pas que l'avoir testé encore. Et j'en ai bien envie, j'en ai bien envie. Ok, on y va. Crac, alors l'or forcément. Est-ce que je vais avoir... Non, bah non, bah écoute, non. Non, non, bah non, bah non. Non, non, mais on va même pas réclamer, vous savez quoi. Ok, le robot en question, il doit être genre là, voilà. J'aimerais aller en test avec lui, jouer, test, voilà. Ok, il est rigolo. Ah, la souris, vous voyez, encore un problème de souris. J'ai l'impression que dès que je tape... Alors, on m'avait dit que c'est parce que des fois, il y a des choses, des matériaux qui tombent sur mon câble de souris. Et que ça crée un problème dans la souris, en fait, bêtement. Ok, alors déjà, il est... Ouf, dynamique, hein. Eh, hey, mais il est peut-être bon, ce con. Putain, il est peut-être bon. Il a infini en termes de puissance en... Ah ouais, d'accord. Par contre, pour monter les côtes, c'est pas son truc. Ok. Bon, bah tant pis, l'épisode durera plus longtemps, on va l'essayer. Là. Je sais pas ce que ça vaut. Hein. Je rappelle encore une fois, je ne sais pas ce que ça vaut. Je vais peut-être même, vu que c'est un shotgun, lui indiquer ceci. Ouais, lui indiquer ceci plutôt. Voilà. Allez, on le teste. Je crois qu'on a un robot qui peut troller dans tous les sens du terme. Je sais pas s'il est badass, je sais pas s'il est puissant, il prend pas beaucoup d'énergie, du coup je considère que son armement ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais, pour peu qu'il fasse les kills, on a un robot qui visuellement sera du troll et efficacement, s'il est efficace, sera trolleur aussi. Donc... Marcus se met à troller? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi! Non, vous plaît pas. Bon, d'accord, ok. On va bien voir, on va bien voir. Ça se trouve, ça va être de la grosse daube, hein. De la daube de chez daube. Comme dirait Will Smith, moi je conduis un pur sang. Pur daube, pur sang. Pur daube, pur sang. Vive Men in Black 2, si je me trompe pas. Quoi qu'il en soit, mes cheveux doivent être horribles. Non, ça va, finalement, c'est pas trop moche. Ok, salut les filles! Mal. Ah
versus Rift has begun. Ah, oh, c'est rigolo. Ah. Oh. Ah, oh, je vais foncer sur le... Ok. Allez voir, il va tomber comme un con. Ce robot de la trollance. Ah merde, par contre il me troll aussi le robot, mais c'est pas grave. Il a peur. Ah. Oh, oh, ce robot. Ce robot du troll. Oh. Oh, je me marre. Oh merde. Non, tu ne mourras pas. Désolé. Tu vas tomber. Voilà, merci. Il est tombé. Tombé. Oh là. As-tu déjà entendu parler de la parole du shotgun? Celle qui fait mal quand tu arrives dans le fion. Voilà. Merci. Ok. On y va. Je vais chercher le point. Je vais chercher le point. Il est rigolo ce robot. J'adore. J'adore, j'adore. Je surkiffe. Par contre, il faudrait quelqu'un qui aille sur le point qui est genre là-bas parce que... Moi je veux bien récupérer les points et me marrer, mais faut bon faire les trucs derrière quoi les mecs. Ok, on va chercher nos copains. Oh c'est génial. Ce robot du troll. Ce robot du troll. Ce robot du troll. Oh. Comment c'est marqué? Cadneuf. Cadneuf. Ouais, okay, d'accord. Cazeneuve. Oh putain. C'est Cazeneuve. C'est Cazeneuve qui est marqué. Regardez. C'est A. Le N sur le côté. C'est un Z. Ah, il est pas sur le bon côté, mais c'est Cazeneuve. Oh nom de Dieu. Wow. Wouhou. Oh le pauvre. Tous. Oh, je sens la haine dans leur corps. Je sens la haine. Oh, ce robot. Ce robot de la trollitude. Qui fait tellement masse dégâts.
Allez, je m'en vais. Bye bye. Aïe. Il est tellement rapide. Ah merde. Ah non, explose pas. Voilà, parfait. C'est très très bien. Tu t'en sors. Tu t'en sors. Voilà, parfait. On y retourne. Ah bon, tu veux venir me voir à mon spawn? Bah écoute, y'a pas de soucis, j'ai full régène. Pourquoi tu viens? Tu sers à rien. Ah, c'est moi qui suis mauvais là. Voilà. Dominating! Vous dominez la partie! Me pique pas mes kills! Voilà, merci. Oups. What? Vas-y, vas-y, viens. Viens que je me marre deux secondes. Oh, 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 c'est pas bien de se moquer, mais qu'est-ce que c'est bon. Un troll. Un troll dans les cachots. Un troll dans les cachots. Où t'es? Tu vas pas y arriver, tu vas pas réussir à me viser. Tu vas pas réussir à me viser, tu vas pas réussir à me viser. Tu peux pas me heal, s'il te plaît, bonhomme. Vous pouvez pas m'aider? Non, enfin, bah m'aidez pas. Ah mais il est parti! Il est parti! Je suis mort une fois! Non! Oh mais ce robot! Regardez comment que je les règle le machin! Le machin il a masse PV, j'ai sans doute un des plus petits guns du jeu, en tout cas en termes de... J'ai pas le gun le plus puissant. Oh mais ce robot! Mais qui peut créer un robot comme ça? Quel monstre peut créer un robot de ce genre? Comment osez-vous? Comment osez-vous créer un robot de ce genre? Mais non, mais va sur le point! Va sur le point! Moi je fais les kills depuis 3 heures! Merde! Qui ça? Qui dit ça? Ursulelus. Ursulsus. Oh non, merde, Ursulsus. Oh merde. Ah puis Ursus elle est vieille en plus. Désolé si vous avez une... Ursule elle est vieille. Si vous avez une maman qui s'appelle Ursule, je suis désolé. Hein. Je voulais pas, mais c'était tellement facile. Puis c'est son pseudo qui met... Qui met les gens mal à l'aise. Voilà. Problème résolu. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. En fait, je suis pas allé comme un con. Hop là. C'est lui qui l'a eu. Quel dommage. Ursule, là c'est... Enfin, Ursule, tu dis noobs, mais bon, tu fais pas grand-chose non plus dans la game, quoi. Bon, je vais sur le point. Je sais pas comment fonctionne le score, mais à mon avis, vu qu'ils ont fait une mise à jour rien que pour le régler à un moment,
Oh, c'est épique. Ce robot devrait être interdit par la loi. Wow, excuse-toi. Je ne mourrai pas. Je resterai en vie, quoi qu'il arrive. Voilà, bon bah encore une victoire de canard, hein, comme on dit. Alors là, par contre, je vais me taper 12 000 points, je pense. 16 000 points, 17 000 points presque. Oh, mais ce robot. Alors moi, je me dis, j'ose pas le tester en vidéo, je vais me taper la honte, tout ça, tout ça. Et le machin, c'est une brute. Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu, tu m'étonnes que je gagne des points. Ah bah là, il y a du bleu qui est tombé dans une protonium. Allez, une deuxième, on va bien voir ce qu'il y a dedans, peut-être du légendaire qui tombe, sait-on jamais. Ah, on gagne plus que 3 trucs dans les boîtes, d'accord, ok, bon, pourquoi pas. Eh bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Non, désolé. Désolé Valentin. C'est quand live que je joue avec les abos? De toute façon, ça devrait arriver. Si ça peut être réglé rapidement au DH, enfin les Dangerous, les lives vont revenir bientôt. Ça c'est clair. C'est très très clair, d'ailleurs avec plusieurs informations, parce que comme la fibre est en train de s'installer dans la ville, bon, pas chez moi, s'arrête à 3 mètres de chez moi pour le voisin, c'est vrai en plus, hein, c'est pas des conneries. Et dans la rue d'à côté, elle s'arrête juste à 10 mètres du poteau qui vient vers moi, en fait, tout bêtement. Donc bon, c'est là que j'ai encore peur, vous voyez, hein, c'est un peu ça. Mais si les lives arrivent, il se peut aussi que je mette que 2 vidéos par jour pour me concentrer sur ces vidéos un peu plus violemment, entre guillemets, si je puis dire. Par contre, que je fasse des lives tous les deux jours, peut-être entre une demi-heure et une heure, voire le soir. On verra bien le moment venu, mais... il est possible qu'en fait, via la qualité de la fibre, je puisse en fait live-er en haute définition. C'est possible, je pense. Et j'espère pouvoir être à même de le faire et donc du coup vous apporter un contenu de haute qualité qui sera pour moi plus simple à mettre en ligne, tout bêtement. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc les amis, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce dernier robot vous aura plu. Il est juste complètement épique. Il y a le nom juste ici, à côté de 32. Je vous invite à aller voir. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!